Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une salade chaude d'aubergine. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. Salam astika intimna tkoulou fi ajmal ahwal had nhar nqaddem lkom zalouk. Khalikom maaya bach tchoufou lmaqadir ou tariqa tahdir. Première chose, j'aurai besoin d'aubergines. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Awal chi rahtaj dinjal tqadrou tstemlo le adad li bghitou. Et que je lave l'aubergine ben ma selt dinjal ghadi nqatta, je vais le couper. Petit morceau, rah aqta qita sghira. Ça c'est mieux. J'enlève la peau, mise à la cache de dialo. Et maintenant, je prends un plat qui entre au four. J'ai mis l'aubergine. Je vais prendre 5 litres de four. On va mettre le dinjal. Et je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais ajouter une cuillère de zeytoun, du sel, chouïa tmel et chouïa ezar, un sel et poivre. Je le mets au four de 15 à 30 minutes, ça dépend le four. On va mettre le four de 15 à 30 minutes, على حسب الفرن. Dans le tagine, je vais mettre 400 g de pulpe de tomate. Dans le tagine, je vais mettre 400 g de salsa de tomate. Ou si on a cette salsa de tomate, on peut mettre 4-5 habbat de tomate. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive ou 3 ملاعق كبار de زيت الزيتون. Et je laisse cuire un petit peu. On va laisser cuire 5 minutes. 5 secondes. Après, j'ajoute l'ail. Je vais ajouter tout. Une gousse d'ail. Ça, c'est tout. On va dire non. Un peu de persil, ou tu es d'el manos. Melh, sel. Sel toujours, ça dépend le goût. Poivre. Tu es d'el levza. Hawalay nisf mil'aqa sghira. J'ajoute une petite cuillère de café de cumin. Je vais ajouter une petite cuillère de cumin. La moitié de petite cuillère de curcuma.
باردون دو بابريكا نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الحمراء لا موتي دو بتيت كويير فوالا دو كركما ديال الخرقوم اي لا موتي دو بتيت كويير دو جينجبر ونصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير نخلط الكل je laisse cuire 10 minutes on خليه يطيب 10 تاع دقائق et maintenant je vais ajouter l'aubergine وراح اضيف الدنجال et je laisse cuire 10 minutes encore on خليه يطيب 10 دقائق اخرى et voilà ma recette d'aubergine au zalouk si vous avez bien aimé n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo هذه هي وصفه ديال زعلوك الى عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله